Oh, évitez que nous ne ma belle. Puisque toi, tu vois, tout va bien. Je vois que nous sommes comme ma langue. C'est-à-dire qu'on ne marquerait que même dans les églises. Comment la même dans la tête, les gens veulent toujours écouter des phrases des femmes. Bah, tu m'as dit, voyons, va venir. Bah, les histoires inutiles. Bah, l'île va mettre la maman, histoire. Bah, il cessait. Quelle la parole de Dieu? On lit, voyons, quand il y a nous vivons les temps difficiles. Les gens peuvent se réveiller. Actuellement dans les églises, les gens ne cherchent plus les choses spirituelles. Les gens cherchent toujours ce qui est charnel. Quand les gens viennent à l'église, ils ne viennent pas pour avoir peut-être l'onction du Saint-Esprit. Ou les gens viennent juste pour recevoir les dons spirituels. Non, les gens ne cherchent plus ça. Quand le réveil a commencé, dans l'église, c'est-à-dire le réveil, c'est quoi? L'église a réveil, c'est la repentance. C'est-à-dire le réveil spirituel commence d'abord à travers la repentance. Il y a moins bandit, réveil, l'église a réveil, ouais, c'est là. Vous verrez qu'actuellement les gens n'ont pas besoin de se répentir. Mais ils veulent directement qu'ils deviennent diacres. Ils veulent devenir apôtres. Ils veulent devenir pasteurs. Ils veulent devenir évangélistes. Même quelqu'un hier était voleur. Mais le lendemain, il devient pasteur. Hier, il était magicien. Hier il était sorcier. Pourquoi tu veux devenir évangéliste? Pour prêcher quoi? Parler du diable. Parler du monde pendant le nom, je ne sais pas quoi. C'est-à-dire, les gens ont oublié pourquoi ils viennent à l'église. Mm. L'église. Si nous nous rappelons de la Pentecôte, ce qui t'organise la Pentecôte. Ce jour-là, Pierre a prêché la parole de Dieu. Vous êtes au canisme Pasika. Vous pouvez voir Pierre a dégagé le monde de Pétro, a dégagé le monde. Puisqu'il était sorti de son sommeil. Ouais, il m'a dit la promenade d'ailleurs. Je remarque que ici à Berlin. La Monique n'a qu'à dire beaucoup à Berlin. Il n'y a pas le réveil spirituel. Réveil spirituel, les alités. Puisque les gens ne veulent pas changer leur vie. Mais les gens ne veulent pas changer leur vie. C'est-à-dire que les gens veulent rester la même personne. Mais les gens ne veulent pas changer leur vie. Ça fait 7 ans que nous sommes. Je vois les gens depuis 7 ans, ce sont les mêmes personnes. Les gens n'ont pas changé. Mais les gens changent d'avis. Changent de coiffure. Changent de vêtements. Ils ne changent pas leur cœur. Et pourtant, le réveil. Et si le temps qu'il y a un réveil, sur le brisement du cœur. Il faut que ton cœur soit pris. Il faut que ta vie soit prise. Il faut que ton orgueil soit pris. Il faut que ton langage change. Puisque le réveil, c'est un comportement. Parce que le réveil, c'est un comportement. Alléluia. Amen. Je remarque que les gens parlent de l'église. Les gens prêchent. Les gens viennent de l'église. Ce n'est pas mauvais. Ça m'a pété. Mais ce que Dieu a besoin. C'est que tu changes. Il dit, dis-les. Ce que tu désires, ce n'est pas que le méchant mais ce qu'il change de conduite. Mais à bon moment, ce qu'il change de conduite. À bon, je remarque que les gens ne changent pas leur conduite. Dieu a besoin, puisque nous sommes encore au mois de janvier. Puisque dès que c'est le mois de décembre, tu verras que tout le monde veut passer dans le pays de prière. Puisque ils ont peur des sorciers. Ils ont peur des sorciers. Ils ont peur de l'année. Ce n'est pas ça qui importe. Ce qui est important, que tu changes.
gens ne savent pas qu'ils dorment encore. Prenez l'exemple de Pierre dans le livre des Actes des Apôtres. Actes 12. Nous sommes venus parler. Verset 11, le verset 13. Quand Pierre était en prison, il dormait. Si l'ange n'était pas venu, Pierre devait toujours continuer à dormir. Mais Pierre a oublié qu'il était en prison. Alors j'ai compris que si quelqu'un ne veut pas se réveiller, c'est qu'il est en prison. Donc quelque part tu es en prison. Comme le psaume nous dit, le psaume 142, verset 8, ô éternel, ô la colo, tire mon âme de sa prison. Alors j'ai compris qu'il y a beaucoup de gens qui sont en prison. C'est pour cela que les gens dorment. Les gens ne cherchent plus les choses spirituelles. À travers nos prédications, ça réveille aux chrétiens le goût de chercher les choses chapelles. Au lieu de chercher le brisement du cœur. C'est-à-dire le réveil. Ça vient à travers aussi l'humilité. Parce que l'église charismatique, mais actuellement, tu vois, les gens sont devenus orgueilleux. Mais tu vas c'est ce qui fait que les gens dorment. Les gens voient toujours, ils sont trois facettes. C'est que celui qui vient à l'église pendant une année, il se croit, il est trois facettes. Pour toi, il y a l'église. C'est quoi que les gens qui ne viennent pas à l'église ne sont pas péchés? Et pourtant, les gens qui viennent à l'église, ce sont les gens qui ne viennent pas changer. Mais, il y a un cas où on va voir les gens qui ne viennent pas à l'église. Tu remarques que nous prêchons la parole. Vous savez, parce que nous prêchons la parole. On ne voit pas le brisement du cœur. On voit toujours l'orgueil dans la vie. On ne voit pas la différence entre les païens et les chrétiens. Et pourtant la Bible nous dit, vous verrez la différence. Amen. Entre ceux qui prient Dieu et ceux qui ne prient pas. Vous verrez que les chrétiens maintenant viennent à l'église. On dit que les païens viennent à l'église. Ils ne viennent plus pour adorer. Ils viennent juste chercher les choses matérielles. Ils viennent chercher les choses inutiles. Ils viennent chercher les choses passagères. Et pourtant, Dieu dit, réveille-toi, toi qui dors. Même ceux qui se prétendaient dire être musulmans, quand ils viennent en Europe, ils deviennent soudain. Puisque c'est ça l'âme que l'ennemi utilise ici en Europe pour nous faire dormir. Je sais que quand tu venais en Europe, tu avais un rêve. Qui a ton voisin, tu avais un rêve. Tu avais un rêve. Tu avais un rêve. Tu avais un rêve. Et qui t'a fait dormir. Quand les gens ont dit à Jésus que la fille de Jairus est morte, Jésus a dit non, elle dort.
Lazare. Elles ont dit que Lazare est mort. Comme on a mis Lazare a couru. Jésus a dit non. Il s'en est été à profiter. C'est-à-dire c'est facile de réveiller celui qui dort. Et quand on va que non, on a pour la mousse à voir, on a les alliés, on va passer. Mais c'est difficile de réveiller celui qui est mort. Mes alliés n'ont pas ce pour la mousse à voir, c'est à couvrir. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais qu'est-ce qui vous a compris? Je vais reprendre. La manière de Jésus. C'est difficile. Ça n'est pas de réveiller pour la mousse à quelqu'un qui est mort. Pour toi, à couvrir. Mais quelqu'un qui dort, ouais, là, c'est facile de les réveiller. Les alliés, justement, je voyais que Dieu voyait que toi tu dors. Il m'a dit de venir te réveiller. Ta manière de servir Dieu, ce n'est pas ça. Mais fais la potentialité que Dieu a mis en toi. Fais les capacités que Dieu a mis en toi. Non. Ce que Dieu attend de toi. Ce que Dieu attend de toi, tu n'as pas encore fait ça. Mais tu as beaucoup de projets charnels dans ta tête. Nous le plan de Dieu. Dieu a dit ceci à Jérémie. J'ai formé un projet de paix. Un nom de bonheur. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu.
Nambuka. Tamanyange tuye. Nenge na waya kusamela. Oke sashi. Oko mula ngo. Tamanyange venir à l'église. Nenge na waya kata kati l'église. Oke sashi. Oko mula ngo. On commence à 12h. Depuis l'année passée, tu viens toujours en retard. Toujours il y a des explications. Si ce n'est pas la femme qui est malade, j'ai oublié mon abonnement. Si je n'ai pas oublié l'abonnement, il y a des travaux faits vétérans. Est-ce que ça ne marche pas? Toujours des justifications. Il y a un peu de raison. Non, réveille-toi. La Mouga. Réveille-toi. La Mouga. Réveille-toi. La Mouga. Tu dors. Réveille-toi. La Mouga. Là, j'avance. Réveille-toi. Vous l'avez besoin de ça. Quand tu dis, oh non, j'apprends l'état, je vais me marier demain. Oh, Nazan, on attend d'avoir la loi. Oh, après demain. Si ma yalo, il n'est pas passé. Maintenant, vous allez là. Réveille-toi. La Mouga. Réveille-toi. La Mouga. Réveille-toi. La Mouga. Rachetez le temps. Son matin. Tu sais que. Au moment où toi tu dors, oui, mais l'aiguille de la montre, le fait que tourner. Dans mon toi tu dors là, pendule, il y a moins de gens qui t'emploient. C'est ça qu'on dit. Au moment où toi tu dors, et tu as mis des points de l'eau là, ton cœur continue à battre. Vous demandez besoin de bêta. Un jour, mon colombo s'arrêtera. Nem podemos não ver que a mão vai botar ele, mas continue de subir. Rachete o tempo. Sombatão. Combien de pessoas que tu as gagné l'année passée? Quando você ganhou, ganhou. Pour amener vers ce Jésus-Christ. Pour me rendre à Jésus. Combien? Quando você ganhou. Qu'est-ce que tu fais de ta vie chrétienne? On s'en a gagné dans la mort, il y a eu un Christ. Il y a des gens qui voient entre nous les chrétiens. On dit, dans la carte, on ne sait pas. On se téléphone. On ne parle jamais de Christ. Mais toi et moi, nous sommes des chrétiens. Mais quand on s'appelle au téléphone, on ne parle pas de Christ. On parle des histoires des gens. On se moque des gens. On critique les gens. Et toi, tu prends le réveil dans toi. Non, si tu sais que j'ai affaire à ma soeur chrétienne. On peut parler de Jésus. On peut parler de psaumes. On peut chanter. Oui, vous voyez, au lieu de parler des choses inutiles. Au lieu de réveiller la jalousie. Au lieu de réveiller l'orgueil, au lieu de réveiller l'arrogance, c'est ça qui fait que les chrétiens ont peur. Les chrétiens ont peur. Tu as peur des profils. Tu as peur des péchés. Tu as peur de Satan. Tu as peur des sorciers. Tu verras que l'homme a toujours peur. Tu as peur de l'amour. Celui qui est né de nouveau. N'a pas peur de l'amour. Amen. 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 Regarde les gens qui m'ont appelé. Oh pasteur, j'ai la toux. Oh pasteur, oh maïm. Je ne viens pas à l'église. Puisque. Est-ce que dans ta chambre, tu peux te protéger contre le Covid? Quand tu vas bien, il y a un pasteur, 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 c'est la présence de Dieu. La Bible est lue dans le livre de Psaume, je crois, 91. Dans mon cadre, il y a Psaume, il y a Tu veux vérifier ce que nous dit la Bible? Psaume 91. Celui qui demeure sous la pluie du Très-Haut. La Bible nous dit ceci. Celui qui demeure sous la pluie du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Repose à l'ombre de l'onction du Saint-Esprit.
repose à l'ombre de la puissante main de Dieu. Ce que Dieu a vu dans la vie de mon frère José ici à Berlin. Oh, nous avons moni, la bonne moyenne, mais nous avons besoin de passer une balle, la carte est encore à Berlin. Les gens doivent d'abord se repentir. On ne faut pas bon moment ici. Les gens, il faut qu'ils soient brisés. Il faut connaître le brisement. Il faut que le gens deviennent humbles. Si tu veux vivre l'onction de Dieu, si tu veux vivre l'onction de Dieu, ensuite il faut que ton langage change. Fais le ménage. Je sais que quand ta famille est en train de t'envoûter, on t'envoie seulement les somnolences. C'est-à-dire que tu puisses bien dormir. C'est ça l'envoûtement. Quand tu dors, quand tu crois que l'Europe, c'est quoi déjà? On dit que l'Europe n'est pas paradis. L'Europe n'est pas paradis. Réveille-toi. Dis, demande à Dieu, dis mon âme de sa prison. Dis-moi, mon âme, 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 mon Nous allons écouter le texte. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. Livre des Romains. Chapitre 13. Papa Jean-Paul peut nous lire ça. On commence par le verset 11. On commence à les deux qui a dit le mot. La Bible nous dit ceci.
C'est l'heure de vous réveiller du sommeil. C'est le temps du réveil spirituel. Dans ta vie, pour que les choses changent. Puisqu'il n'y a pas de lumière. Là où il n'y a pas la lumière, il n'y a pas de réveil. Dès que ce matin, dès que l'aurore s'annonce, quand les coqs chantent, bientôt, c'est l'heure de réveiller. Réveille-toi. Satan veut te climer contre le Satan a les gars ni caillou, ni Satan a les gars ni caillou, ni caillou. Réveille-toi. La pierre. Comme Jésus a dit à Pierre, Satan veut te cribler comme du froment. Satan a dit à lui, mais je prie pour toi. Quand tu seras converti, affirme tes frères. C'est-à-dire, quand tu seras converti, quand tu vas connaître le brisement, quand tu deviendras humble, alors tu seras en mesure d'affirmer tes frères. Alors c'est l'heure de te réveiller. Page apportée continue. 12. La nuit est avancée. Pour tout et pour si. Le jour approche. Mon collègue pousse les pépins. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Je ne peux pas les citer ici. Ça, c'est faire subir. Faire la publicité du monde du ténèbre. Dépouille-toi de tout ce que les gens te reprochent. Qu'est-ce que les gens parlent de toi? Qu'est-ce que les gens racontent de toi? Change. Tu ne peux pas prier pendant 7 ans dans le ministère. Et tu n'as jamais changé. Non, il y a quelque chose qui va. C'est-à-dire ton âme est en prison. Tu ne peux pas continuer à vivre dans le ténèbre. Avant que Pierre se réveille, avant que Pierre ait la lumière, et la lumière dans la salle, que la lumière soit dans ta vie, que la lumière soit dans ta maison, que la lumière soit dans ta famille, que la lumière soit dans ta vie chrétienne, que la lumière soit dans cette église, dans les noms de Jésus. Continue. Revêtons-nous des armes. Et revêtons-nous des armes de la lumière. Les armes de la lumière. Tous les bouddhés et la winda. Revêtons-nous les armes de la lumière. Tous les bouddhés et la winda. Comme la justice. N'est-ce que le symbole est là-bas. La vérité. Et le solo est là-bas. L'amour. Bolingo. Ce sont les armes. Il y a où est-ce que vous avez de la lumière. Il y a volé. Là où il y a l'amour. Et si vous avez de là où il y a la justice. Et si vous avez de la joie. Il y a la joie. Vous avez de la joie. Vous avez de la joie. Cherchons les choses spirituelles. Tout le monde, vous avez de la joie. Pour le réveil spirituel. Pour le réveil spirituel. Pour que cette ville change. Pour que vous avez de la joie. Le changement va commencer par toi. Ne cherche pas ailleurs. C'est à toi d'abord de changer. Avant que ta famille change. Avant que ta maison change. C'est toi qui dois changer. Il y a du sœur, il y a une sœur qui m'a parlé. Pasteur, ça fait 12 ans que je suis divorcé. On dit que non, ça fait 12 ans que la voix est mobile. Mais je n'ai pas de mari. C'est que tu as compris maintenant. Ah, c'est quoi nous comprendre? C'est que le réveil commence. Le réveil m'a mis sur ma va-t-il tourner? Vous en avez là? Je ne savais pas. Oui, ma dit que le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Que au bas là, vous en appelez le mariage, ça veut dire adultes. Si tu n'es pas commis, ça veut dire pour clôturer. Vous avez aussi ça. Le réveil spirituel. Le réveil spirituel. A besoin aussi de la maturité. Beaucoup. Alléluia. Amen. On dit quand l'huile coule.
Aaron, dans mon mafuta, de la moto ya Aaron. Ça commence par la tête, ma tête la moto, et sur la bouche, la et après tout, la mandé sur la barbe. Si tu as la barbe, c'est que tu as déjà la maturité. Ce que vous m'avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, c'est-à-dire l'onction a besoin aussi de la maturité. Et pas pour la maison, c'est la paix, vous avez dit, vous avez dit, en regardant le champ de maïs, ce qu'on m'a dit, il y a un massacre. Quand tu vois déjà la barre, ce qu'on m'a dit, massacre de maïs, s'il y a des fleurs, ce qu'on m'a dit, on dit maïs, ça y est, la maturité. Oui, il dit, ah, massacre est connu. Alors Dieu aussi a besoin de ta maturité. Ça me passe la maison, il y a eu une occulte. Dieu veut t'utiliser pour le réveil de cette ville. Ça m'a dit, il a utilisé pour le réveil de mon papa. Il faut que tu changes la vie. Il faut que tu changes la vie. Il faut que tu deviennes humble. Mais qui dit ça? Il faut que ton cœur soit brisé. Alors le réveil va commencer. Mais réveil va. Et tu auras la maturité. Mais comment on a décrit la personne? Il y a beaucoup. Réveille-toi, toi qui dors. La mouka rose de l'eau. Rachetez le temps. Son matin. Car les choses sont mauvaises. Que Dieu vous bénisse. On a la chose. Pardonne tous mes péchés. Entre dans ma vie. Prends la direction de ma vie. Je veux expérimenter le plan merveilleux de Dieu pour ma vie. Mon sauveur. Mon sauveur. Merci pour mon salut. Merci pour mon salut. Mon libérateur. Mon libérateur. Merci pour ma libération. Merci pour ma libération. Mon rédempteur. Mon rédempteur. Merci pour ma rédemption. Merci pour mon consolateur. Mon consolateur. Merci pour la consolation. Merci pour la consolation. Merci pour ma délivrance. Merci pour ma délivrance. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Tire mon âme de sa prison. Tire mon âme de sa prison. Tire mon âme de sa prison. Que mon âme soit libérée maintenant. Que mon âme soit libérée maintenant. Seigneur Jésus, tu es la lumière des nations. Éclaire ma vie. Éclaire ma vie. Dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, n'écoute pas les paroles des satanistes contre ma vie. Change la malédiction en bénédiction. Dans le nom de Jésus. Réveille à moi, Seigneur. Réveille à moi, Seigneur. De changer ma vie. Que je change. Donne-moi la force. Donne-moi le courage. De changer. Donne-moi la grâce. Fais-moi grâce. Pour le prisme du cœur. Dans le nom de Jésus. Fais-moi grâce. D'être humble. Est-ce que Dieu résiste aux orgueilleux? Il fait grâce aux hommes. Aide-moi, Père. Comme la parole le dit. Approchons-nous avec assurance du trône de grâce pour être secouris, pour obtenir faveur et miséricorde, pour être secouris dans nos besoins. Père, aide-moi. Pour que je change, que je sois un instrument pour le réveil de cette ville, le réveil de ma famille, le réveil de mon église, dans le nom de Jésus. Seigneur, j'abandonne ma semaine entretenue. Que ma semaine soit bénie, protégée, comblée de bien, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Acclamons le Seigneur.